On va accueillir le troisième orateur, Jean Lassègue. Tu es également chargé de recherche au CNRS. Directeur de recherche au CNRS, pardon. au laboratoire de linguistique, d'anthropologie. Il a disparu entre temps. D'accord, les prénoms sont totalement fausses, très bien. En tout cas, tu t'intéresses à l'émergence et à l'évolution de l'informatique, entre autres choses, et c'est ce qui t'a amené à t'intéresser à Turing, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Absolument. Et je te cède immédiatement la parole. Alors, attends, les slides. Ah non, voilà, c'est bon. Ok. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et merci à Eric, puisque c'est à lui que j'ai eu affaire. Et Eric m'a fait une commande, en fait. Il m'a dit, Jean, je voudrais que tu nous parles du jeu d'imitation de Turing, de son papier de 1950. Donc, j'ai dit, bah, ok, d'accord, je veux bien. Et c'est la raison pour laquelle... titre, c'est pourquoi le jeu de l'imitation est-il devenu test de Turing? Ouais, pardon. Voilà, donc, comment se fait-il que ce qui s'appelle vraiment comme ça dans l'article de 50 de Turing est devenu, dans une espèce de vulgate, test de Turing? Bon, moi, je crois que ce n'est pas du tout innocent et je vais essayer de montrer pourquoi. Et donc, je vais plutôt faire un peu de la sociologie de la connaissance, là, hein, plus que des choses très, très objectives, comme mes deux collègues ont montré précédemment. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut effacer la barre en haut, là? Non, tu sais pas. Est-ce que j'ai appris depuis le premier coup? Je ne sais pas. Où est-ce qu'elle est? Ben, pourquoi on ne la voit pas? Ça, c'est plus compliqué. Bon, alors, juste pour rappeler... les choses, donc juste quelques choses sur Turing et son itinéraire. Donc d'abord, très court comme itinéraire, hein, puisque production scientifique de Turing, c'est 20 ans. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement ramassé, très original, puisqu'il y a de nombreux résultats fondamentaux, et trois en particulier, comme vous savez sans doute, à la fois son modèle de calcul par machine de Turing, donc le fondement de la théorie en 1936, l'idée de l'intelligence artificielle en 50 sur le cas je particulièrement insister aujourd'hui, et finalement, ça, Sarah serait beaucoup mieux que moi pour en parler, le modèle morphogénétique de 52. Alors sa vie, elle est effectivement aussi très variée, puisque ce qui est tout à fait frappant avec Turing, c'est l'extraordinaire exploration de domaines divers, hein, théorie des probabilités, théorie des parts, théorie des groupes, logique mathématique, cryptographie informatique, génie informatique, philosophie de l'esprit, théorie théorique. Bon, bref, en 20 ans, c'est juste incroyable, hein, complètement incroyable. Et dernier point sur sa vie, c'est que c'est très injuste ce qui lui est arrivé, comme vous savez, puisqu'il s'est suicidé à 41 ans, après un an de castration chimique, suite à une condamnation de son homosexualité pour indécence grave, disait le procès. Pour l'histoire, ça, je rappelle quand même qu'il a obtenu une grâce royale de la reine britannique donc en 2013 et qu'il y a eu ensuite une loi Turing au Parlement britannique en 2017 qui enlevait de tous les casiers judiciaires des homosexuels anglais condamnés pour trait d'homosexualité cette condamnation. Donc, il y a aujourd'hui une loi qu'on appelle une loi Turing, ce qui est un bel hommage qu'on a dû lui rendre. Alors, maintenant qu'on a ces quelques repères, ma question, on ne voit pas le titre en haut, mais c'est « Je est-il un test, hein ?» Donc, j'ai mis la photo du film « Imitation », que vous avez peut-être vu au cinéma il y a quelques années. Et puis, ce qu'on voit dans la littérature, c'est... un test de Turing. Alors, je trouve que c'est assez étrange. C'est pas grave. Moi, c'est sorti. Voilà. Et donc, c'est ça que je vais. C'est cette espèce de point d'interrogation que j'ai dit là que je vais un peu explorer avec vous. Alors, donc, mon but de l'exposé, c'est de comprendre pourquoi on passe du jeu d'imitation tel qu'il est décrit par Turing en 50 à une test de Turing. Et je pense que ça va engager un certain nombre d'interprétations sur le parcours général de Turing
et peut-être donc aussi sur cette idée d'apprentissage que je prendrai, alors là, de façon tout à fait métaphorique et tout à fait loin de mes collègues, hein, puisque je vais plutôt parler de son apprentissage personnel dans le parcours de sa vie. Alors, la présentation canonique du jeu de l'imitation, c'est celle qu'on trouve dans Wikipédia France. Vous pouvez aller regarder, j'ai fait ça pour dans l'exposé. Je vous le lis. Le test de Turing est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Écrit par Alan Turing en 5 ans dans sa publication « Teaching Machinery and Intelligence », ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale, à l'aveugle, avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Cela sous-entend que l'ordinateur et l'humain essaieront d'avoir une apparence sémantique humaine. Pour conserver la simplicité et l'universalité du test, la conversation est limitée à des messages textuels entre les protagonistes. Bon, voilà. Tout n'est pas clair là-dedans, enfin, en tout cas pas pour moi. Tout n'est pas clair. Et surtout, je trouve que ça donne une très mauvaise représentation de ce que c'est que le jeu en question. Alors, en tout cas, ça a toutes sortes de conséquences. Ça a eu toutes sortes de conséquences, cette façon de présenter les choses, hein, puisque, disons qu'il y a eu effectivement, à partir de ce moment-là, une interprétation que j'appelle ici canonique, c'est de dire que la vraie question à se poser, c'est celle de la nature de l'intelligence ou de l'esprit. Hein, et donc, il faudrait savoir si l'intelligence peut être ou non conçue de façon mécanique. Et c'est à ça que servirait le jeu d'imitation. Et donc, finalement, le geste de Turing, le geste théorique de Turing, ça aurait été quoi au cours de sa vie? Ça aurait été de partir de la mécanisation du renseignement, hein, parce que intelligence, dans les années de la guerre, c'est ça que ça veut dire, c'est le renseignement. Comme en français, on dit intelligence avec l'ennemi, hein, il faut entendre ça. Donc, comment on est passé de la mécanisation du renseignement à l'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire où le mot, là, intelligence, a évidemment une toute autre valeur, puisque il s'agit du fonctionnement de l'esprit et peut-être même du cerveau, diraient certains, ce sur quoi je ne veux pas m'engager. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend bien que ce jeu d'imitation, ça devient une espèce de pièce capitale dans cette espèce de configuration, hein, puisque ce serait bien commode d'avoir un test. Effectivement, ce serait formidable, puisque ça voudrait dire qu'on aurait un algorithme mécanisable qui prouverait différentes choses, en particulier que la notion d'intelligence peut se concevoir comme détachée de tout support, hein, donc qu'il soit biologique, propre humain ou autre chose, hein, et que ce serait donc possible à partir de ce moment-là de conférer à un ordinateur cette notion d'intelligence, à peu près comme quand on veut que le même logiciel fonctionne sur différents types de machines pourvu que ce soit un ordinateur digital. C'est ce qu'on fait tous les jours avec nos logiciels. Et donc, on devrait en inférer que quel que soit le support matériel, biologique ou silicium, tout ce que vous voulez, j'avais vu à Lyon ici même à l'ENS, un ordinateur fonctionnel avec des Lego, bon, voilà. Finalement, on a affaire au même type de machine, les machines à état discret. Bien. Alors, ça donne finalement une définition très classique de l'intelligence artificielle. Je vous donne celle d'un texte célèbre de Russell et Norvig, là, que je vous ai traduit. Le thème le plus englobant, s'il s'agit de définir l'intelligence artificielle, le thème le plus englobant est celui d'agent intelligent. Nous définissons l'IA comme l'étude des agents qui reçoivent des perceptions de l'environnement et en étude des actions. Chacun de ces agents met en œuvre une fonction qui associe des séquences de perception à des actions. OK. Bon, ce qui est très frappant, moi, je trouve ici, c'est qu'on ne parle plus des humains, on parle d'agents intelligents. Donc, on a déjà finalement résolu la question posée par le jeu de l'imitation. Hein, au moins, on le met dans l'implicite, à savoir, ben, les agents intelligents, ils peuvent prendre plein de formes, ils peuvent être humains, ils peuvent être. Ça peut être des machines, tout ça, c'est pareil, on peut traiter du même point de vue. OK. Donc, à partir de ce moment-là, ça donne aussi un certain nombre de pistes, en quelque sorte, pour interpréter le parcours historique intellectuel de Turing. Et je vous ai donné là
une citation du mathématicien Hugo Longis qui a écrit une magnifique biographie de Turing dans un article qui est ancien déjà, hein, qui date de 88. Poussant sa thèse aussi loin qu'il le pouvait, il a ouvert de nouvelles questions et de nouveaux arguments. Ces discussions continues sur la pensée et l'intelligence ont eu tendance à élargir le champ de ce qui devrait être considéré comme pertinent. En 1936, son argumentation était centrée sur l'exécution d'algorithmes. Dans les travaux de 1946-48, le jeu d'échecs, très discuté dans les travaux pendant la guerre, est devenu son paradigme de l'intelligence, l'un des principaux points étant qu'une machine qui réussit à jouer aux échecs doit faire évoluer des algorithmes qui ne sont jamais explicitement fournis. Bien, on a un peu remarqué tout à l'heure là-dessus. Dans Turing 50, les arguments portaient sur le succès éventuel de la machine intelligente dans la tâche beaucoup plus ambitieuse de maintenir une conversation générale. Bien. Donc, ce que dit en gros Angelis, c'est qu'on passe finalement d'une remarque qui est relativement limitée. Qu'est-ce qu'un calcul? Puis on passe ensuite au jeu d'échecs, puis ensuite à une conversation générale. Donc on a une espèce de généralisation du champ à partir de l'idée de calcul. Et un autre endroit dans le même article, quand je dis ben oui, moi je vois que Turing vers 41, c'est-à-dire au moment où il déchiffre les codes secrets de la marine allemande pour sauver l'Angleterre du blocus fait par la marine allemande, c'est à partir de là qu'il voit qu'il y a une généralisation possible de son modèle de calcul à toutes sortes de choses, hein, et qu'il ne serait plus limité donc, à des choses très particulières comme des petits mondes très formalisés comme les échecs. Bien. Bon, vous connaissez tout ça peut-être par cœur, donc j'insiste pas trop. Bon, alors, finalement, ce qui me frappe, moi, dans la façon dont Angelis décrit l'itinéraire de Turing, c'est qu'il manque complètement la dernière partie, c'est-à-dire 52, le modèle de biologie théorique, tout ça, ça passe complètement à la trappe. Dans sa biographie, il en est à peine question. C'est comme si, finalement, au moment où Turing écrit son article en 50, alors qu'il est retourné à l'université à Cambridge pour faire de la biologie théorique, tout ça, on ne s'en occupait pas. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on glisse sous le tapis comme ça une partie de sa vie que lui-même considérait comme fondamentale, puisqu'il considérait que son article de 52 était au moins aussi important que son article sur le calcul de 36. Donc, vraiment, c'est quand même curieux, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ben, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre, et il faut, en se disant aussi, comment se fait-il que en 49-50, Turing abandonne totalement l'idée de faire de l'informatique théorique, qu'il se désintéresse du calcul et qu'il s'intéresse à des choses qui semblent n'avoir strictement aucun rapport, à savoir la morphogenèse des formes biologiques. Et pour ça, il en prend les moyens, il retourne à l'université, hein, et voilà, il revient étudiant. Alors, si on revenait à l'original, donc, si je reviens à mon article de 50 et que je regarde véritablement comment fonctionne le jeu d'imitation, là, je vous ai copié la première page de l'article publié dans une revue philosophique qui existe encore, qui s'appelle Mind, et ça, vraiment, l'article commence avec le jeu. Donc, c'est quand même pas tout à fait rien, c'est un truc important. Moi, j'ai l'impression que la description qui est donnée dans Wikipédia et ailleurs est assez insuffisante. Pourquoi? Parce que le jeu d'imitation, ce n'est pas simplement quelque chose qui consiste à montrer qu'il n'est pas possible de distinguer les réponses d'un homme des réponses d'un ordinateur convenablement programmé, en posant des questions pendant un temps relativement court, comme Turing parle de 5 minutes, et en cachant à l'interrogateur tout indice tenant à l'apparence physique des joueurs, c'est-à-dire en se limitant à des réponses imprimées. Pourquoi ça me paraît insuffisant comme description? Parce que le jeu est plus complexe et qu'il faut au moins rendre compte de cette complexité. Cette complexité vient du fait que le jeu se fait en deux étapes et que ça me paraît indispensable pour obtenir quelque chose. On cherche à persuader le lecteur de l'article. Hein, on est dans de la rhétorique, hein, il s'agit de trouver un moyen de persuader le lecteur. Bon. Et on veut persuader de quoi donc? Effectivement, qu'il n'y a pas de différence entre les réponses humaines et les réponses de la machine,
Et partant, donc, il y a bien une preuve, en quelque sorte, que l'intelligence mécanique est possible. Alors, maintenant, je décris le jeu. Donc, l'interrogateur, dont on ne précise pas le sexe, est séparé de deux autres joueurs, un homme et une femme, avec qui il communique par le biais d'une imprimante pour qu'on ne reconnaisse pas les caractères de... Quand on écrit à la main, on sait qu'on peut faire des différences entre les hommes et les femmes. Bon. Donc, le but du jeu, c'est bien que l'interrogateur doit tenter de deviner qui est l'homme, qui est la femme. Pourquoi homme et femme ? On peut se dire, c'est simple, c'est la différence physique maximale entre deux êtres humains. Pas plus grand comme différence physique. Bien. Première étape, l'interrogateur est en position d'échec pendant un temps relativement court, 5 minutes. Puis ensuite, deuxième étape, on remplace le joueur masculin par un ordinateur convenablement programmé sans prévenir l'interrogateur. Hein? Donc la question que pose Turing, c'est est-ce que l'interrogateur sera capable de déceler qu'on a changé la règle du jeu, hein, puisque il n'a plus affaire au même joueur, mais que l'homme a été remplacé par un ordinateur. Ça, c'est la question de Dieu. Bon, alors pour ça, il faut qu'effectivement la différence entre une femme et un ordinateur dans la deuxième étape du jeu ne soit pas plus détectable que la différence des sexes entre un homme et une femme dans la première étape du jeu. Hein, c'est ça qu'il faut réussir à obtenir. Alors, petite citation de Turing dans l'article. Nous pouvons maintenant considérer à nouveau le point soulevé à la fin du paragraphe 3. On a suggéré provisoirement de remplacer la question « Les machines peuvent être pensées » par « Peut-on imaginer des ordinateurs digitaux qui s'en sortiraient bien au jeu d'imitation ?» Bien. Alors, moi, je pense, mais là, c'est mon idée, je pense que le jeu tel qu'il est décrit par Turing ne peut absolument pas parvenir au résultat escompté. Voilà. Donc, je voudrais qu'on en discute parce que bon, je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le jeu d'imitation et je voudrais essayer de m'en expliquer. Pourquoi ? Parce que pour que le jeu soit probant, il faudrait deux choses. En dehors du jeu, il faut, pour vous lecteurs de l'article, il faut faire la différence entre un homme et une femme dans la première partie et la différence physique entre un humain et un ordinateur dans la seconde. Hein, d'accord. Bon, donc, il faut conserver la capacité de choisir deux joueurs physiquement différents pour mettre en place une partie. Sinon, vous ne pouvez même pas jouer. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un homme et une femme, vous ne pouvez même pas monter une partie. Donc, vous commencez par ça. Hein. Vous êtes obligé de supposer que vous pouvez faire la différence physique hein, à l'extérieur du jeu. Et dans le jeu, qu'est-ce qu'on demande au lecteur, à vous, à moi? On demande qu'on s'identifie à l'interrogateur mis en échec. C'est-à-dire qu'on demande au lecteur de ne pas reconnaître la différence physique entre les deux. Donc, est-ce que vous voyez le problème hein? Dans le jeu, le lecteur doit bien s'identifier à l'interrogateur mis en échec pour en conclure que la défaite de l'interrogateur signifie que toute différence physique entre les joueurs humains ou machines a été surmonté. Voilà. Donc, pour moi, ça me pose problème parce qu'on vous met de façon tout à fait intéressante, assez géniale de la part de Turing, on vous met dans une situation qui est en fait impossible. Hein, puisque, qu'est-ce qui se passe pour que le jeu fonctionne? La différence physique entre les joueurs, elle doit être à la fois à tout jamais indétectable, tout en étant toujours présupposé. Hein, on se trouve dans cette espèce de cercle vicieux. Donc, la conclusion à laquelle le jeu doit parvenir, à mon avis, détruit les conditions de plausibilité de la construction de la conclusion. Et ça devrait nous rappeler quelque chose. Parce que je pense que ça, c'est exactement la position indécidable que, au sens très technique du terme, que Turing avait dans son article 36, quand il a montré que il fallait répondre au problème de Hilbert sur la décidabilité par la négative. Donc, l'article de 50 ne varie pas par rapport au point de vue de Turing de 36, hein, et il y a bien quelque chose qui tourne autour d'une indécidabilité hein, qu'il faut réussir à rendre. Donc, il faut réussir à rendre. Et ça a, à mon avis, deux conséquences. Premièrement, le jeu d'imitation ne peut pas servir de test.
Et deuxièmement, l'intelligence n'est pas un logiciel au sens de l'informatique. À cause de cette analyse. Donc, comment il faut lire cet article de 50 maintenant ? Si on me suit, donc, moi j'attends qu'on me montre comment lire les choses autrement. Hein. Si on me suit, comment il faut le lire ? Ce qui est très curieux avec l'article 50, c'est que quand on le regarde un peu en détail, on se rend compte que Turing affirme aussi une autre thèse qui est exactement le contraire de ce que le jeu d'imitation est censé montrer. Voilà la citation du paragraphe 7, vous pouvez lire. Le système nerveux n'est certainement pas une machine à état discret. Une petite erreur sur la taille de l'impulsion entrant dans un neurone peut fortement modifier cette taille dans l'impulsion qui en sort. On peut soutenir que l'on peut s'attendre à reproduire le comportement du système nerveux avec une machine à état discret. Il faudrait savoir, on peut ou on ne peut pas. Bon. Et tout ça dans le même article. Bon, alors, là, on voit que le texte est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Parce que là, dans ce cas-là, c'est l'intelligence artificielle qui est plus possible. Donc, d'un certain côté, publiquement, il crie haut et fort, oui, une intelligence artificielle est possible. Bon, puis on regarde l'article en détail, on voit ce jeu complètement bizarre, et voilà ce qu'il dit après. Ben non, l'intelligence artificielle, finalement, ce n'est pas possible. Bon, débrouillez-vous avec ça. Bon, alors ça, à mon avis, c'est un certain nombre de conséquences. Alors, première conséquence, évidemment, comment Turing peut juxtaposer dans un même article deux thèses contradictoires sur l'intelligence artificielle. Bon, donc là, à mon avis, il faut juste faire remarquer que le point de vue de Turing est double, c'est-à-dire que, effectivement, le domaine du calculable peut s'étendre indéfiniment. Voilà, donc il y a une dimension du calcul qui peut s'étendre indéfiniment, bon, toujours de meilleurs logiciels, on trouve toujours de meilleures façons de décrire des processus avec le calcul. Okay. Donc là, il y a une extension indéfinie de cette recherche. C'est ce qu'il dit publiquement. Bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du non-calculable, puisqu'il est là aussi pour toujours. Hein. Il y a de nombreux phénomènes, naturels ou sociaux, qui ne peuvent pas être exclusivement décrits par un calcul. Hein. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être étudiés scientifiquement. Mais bon, tout ce qui implique des systèmes qui serait intégralement prévisible, par exemple, ben, on voit bien qu'en physique, en biologie, tout ça, ça ne marche pas très bien. Bon. Donc, la chose importante, à mon avis, dans le cas de Turing, ce n'est pas du tout d'en faire une espèce d'apôtre de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est qu'il fait jouer à la fois ces deux points de vue ensemble, et c'est évidemment ça qui me paraît être productif d'un point de vue scientifique. Alors, à mon avis, ça, c'est une deuxième conséquence, c'est qu'on comprend mieux pourquoi Turing a cessé de s'intéresser à l'informatique et qui s'est penché sur la morphogenèse en biologie théorique. Pourquoi ? Ben parce que, précisément, les processus morphogénétiques ne sont pas calculables au sens du modèle déterministe de la machine de Turing, au moins pas tous. Et donc, ben voilà. À partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a une pétition de principe à considérer qu'il y a une espèce d'ontologie dans la nature qui serait calculable, que le monde calcule, en quelque sorte, hein, et que tout devrait s'oublier, puisque précisément, ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer qu'il y a quand même un ordre dans la nature, même si ce n'est pas intégralement déterministe au sens du calcul, il y a quand même un ordre. Bon, les chiens font des chiens et les chats font des chats. Bon, il faut quand même expliquer ça. Ce que je remarque aussi du point de vue historique, c'est que dans les années 50, comme vous savez, Watson et Crick commencent à s'intéresser, découvrent l'ADN, et c'est quelque chose qui n'a absolument jamais intéressé Turing. Alors, il faudra qu'on m'explique comment quelqu'un qui est l'un des pères des modèles de calcul par machine de Turing, et qui aurait pu s'engouffrer dans cette brèche-là qui donnera le modèle classique de la génétique et de la biologie moléculaire, ne s'est jamais intéressé à cette question. C'est que sans doute, il pensait que la morphogenèse, ça ne relevait pas simplement du calcul. Donc ça, c'est une petite remarque historique, mais je pense que ça a un sens de faire remarquer. Alors, troisième conséquence, donc Turing a proposé à partir des années 50 et en particulier dans son article 52
un modèle de développement des formes vivantes à partir des brisures de symétrie dans la matière physique. Bien. Alors, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est aussi à cette époque-là, à la même époque, qu'il poursuit cette même idée, mais sur le mode du désir. Hein, et là, je parle presque en psychanalyste, hein, sur le mode du désir. Et que le jeu d'imitation, c'est ça, c'est un résultat désirable, en quelque sorte. Hein. Donc, pourquoi je dis ça? Bah, c'est que, comment ça marche, ce jeu d'imitation? Il y a bien une différence physique entre les joueurs et pas n'importe laquelle, la différence des sexes, qui joue un rôle capital, hein, dans la dynamique même du jeu, puisque c'est son possible développement, le dépassement, qui est en fait le moteur du jeu, hein, qui fait passer la première étape à la deuxième étape. Bien. Et effectivement, si le jeu parvenait à ses fins, la différence des sexes serait effectivement dépassée. Hein, d'accord. Mais alors, là, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le point de vue personnel de Turing. C'est ça aussi qui est incroyable avec Turing, c'est que, contrairement à beaucoup de mathématiciens, je ne suis pas mathématicien moi-même, mais généralement, on ne trouve pas de choses personnelles dans un article mathématique. Et quand on lit du Turing, on a l'impression d'avoir un individu en face de soi. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on sait ce qui est arrivé à Turing. Hein. C'est-à-dire que, finalement, si le jeu d'imitation réussissait comme il le dit, ben ça veut dire que la sexualité personnelle de Turing serait absolument cachée grâce au jeu, hein, puisque la différence sexuelle sera abolie et qu'on s'en tiendrait au tout mécanique. Bien. Mais je dois remarquer aussi un autre trait de génie de Turing, et qui est bien mis en lumière dans le film d'ailleurs, hein, c'est que ce jeu d'imitation, il ressemble étrangement à l'interrogatoire de police qu'il va avoir à subir juste à ce moment-là, hein, et qui va le conduire à un procès et à une castration chimique, et ce qui contribuera à son suicide. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et là c'est bien un point de vue qui est philosophique, hein, c'est que Turing parle aussi de lui dans ce jeu. Voilà. Et il faut réussir à l'admettre. Hein, il décrit pas simplement un concept qui serait celui de l'intelligence, hein, mais à mon avis, il parle de lui, et ça veut dire quoi parler de lui? Ben, ça veut dire qu'il se pose la question de savoir comment il est arrivé à produire ce concept de machine. Hein, comment lui est arrivé à produire ce concept. Alors ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'important. C'est-à-dire qu'on peut toujours, évidemment, envisager les choses du point de vue des résultats qui sont déjà donnés. Bon. Et puis, on peut aussi s'interroger sur la science en train de se faire. C'est-à-dire que Turing, à un moment donné... Ben, il n'y avait pas le concept de Turing, de machine de Turing à sa disposition. Donc, si vous faites, évidemment, c'est une fiction, mais si vous essayez de penser un petit peu à Turing, à qui il était, et bon, simplement aux ressources personnelles qu'il avait, à partir de ce moment-là, ça commence à avoir un sens de se dire, ben oui, c'est avec tout son être, finalement, qu'il a réussi à produire quelque chose qui était de l'ordre du concept. Donc, ce qui m'intéresse, finalement, là, dans le jeu d'imitation, c'est que ce n'est pas du tout simplement un texte qui donnerait une version objective d'un concept, c'est quelque chose qui est plutôt généalogique, au sens où ça retrace un itinéraire historique qui est le sien, hein, qui est son propre itinéraire historique. Bon, et ça, à mon avis, ça explique aussi la raison pour laquelle il s'intéressait à la morphogenèse, parce que la morphogenèse, c'est évidemment quelque chose qui a trait à l'individuation d'une forme. Donc, en fait, ce que Turing décrit dans cet article de 50, c'est l'individuation d'une forme bien particulière, c'est-à-dire lui-même. Donc, c'est une autobiographie. Ça paraît bizarre comme ça quand on voit le texte, mais finalement, c'est ça, c'est une autobiographie. Alors, bon, quel sens donner finalement à ce jeu d'imitation? Moi, je pense qu'on ne peut plus décrire l'article de Turing comme simplement la démonstration de la possibilité de l'intelligence artificielle, ce qu'on lit à peu près partout, hein, il faut prendre deux choses en même temps, d'un certain côté, hein, à la fois tout à fait la possibilité
de mécaniser un certain nombre de processus mentaux, ça ne me pose aucun problème, bon. Mais en même temps, se rendre compte qu'il y a aussi une quête généalogique là-dedans, hein, c'est-à-dire ce que Goethe a appelé des années d'apprentissage. Et c'est ça qui est décrit par plein de détails qu'on pourrait regarder ensemble si on avait le temps dans le texte. Donc il y a bien deux points de vue dans cet article de 50, à la fois un point de vue science exacte, d'un certain côté, et puis d'un autre côté, il y a aussi un point de vue science biologique, historique et humaine, hein, de la constitution progressive d'une forme. Et ça me paraît évidemment intéressant à remarquer. Voilà, je m'arrête. C'est passionnant. Olivier, une question rapide. Voilà, la distinction entre calculabilité et non-calculabilité, quand vous dites que le morphogénèse peut être non-calculable, ouais. C'est un peu surprenant quand il écrit un système d'équations pour rendre compte. Oui, il écrit un système. Enfin, il faudrait. Oui, alors Sarah sera peut-être plus à même que moi de répondre à ça. Mais le fait qu'on ait un système d'équations, ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose qu'on peut traduire en algorithme encore. C'est pas. Enfin, je veux dire, bon, j'ai l'impression qu'il y a. Quand on a affaire à des systèmes dynamiques, bon, il peut y avoir toutes sortes de choses qu'on ne peut pas prévoir, des bifurcations, ce genre de choses. Oui, bon. Oui, alors bon, alors là-dessus aussi, hein, il faudrait regarder ce qu'on arrive à simuler, est-ce qu'on arrive véritablement à simuler. Il faudrait entrer dans le détail. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout impossible. Hein. On peut faire de très très belles simulations. Maintenant, entre ce qu'on arrive à simuler et la façon dont les systèmes se développent, je pense qu'il y a une certaine marge. Voilà, c'est comme ça que je réponds. Et peut-être que Sarah, elle voudrait répondre un peu mieux que moi. Merci Jean. Avant tout, bon, je voulais te poser une question, mais elle n'est pas non corrélée avec la question de lui. Donc, je vais essayer de faire des choses. Merci d'abord parce que c'est toujours magnifique de t'entendre parler de lui. Et alors, la première, peut-être une petite tentative de réponse à ton questionnement, puis je reviens à la question de lui. Ouais, d'accord. Donc, en fait, je partage tout à fait ton questionnement. Il y a des choses qui sont tout à fait étonnantes quand on prend la peine d'écrire cet article des 50, et certainement la composante biologie théorique n'a pas été prise en compte. Et elle est déjà présente dans l'article. Oui. Et une façon d'interpréter ces deux côtés qui sont mis en évidence, la lecture, disons, mathématique et la lecture morphogénétique, biologique, humaine, anthropologique, peut-être passe par la notion de modèle. Turing n'a jamais, a toujours mis en avant qu'il faisait des modèles. Et ça aussi, on l'oublie souvent, mais même dans l'article sur Lanchon-Trop, il dit que sa machine est un modèle du human computer, oui, c'est-à-dire oui. De l'humain qui calcule. Il sait qu'il fait des modèles. Alors que, comme tu l'as dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, à mon avis, de façon erronée, son travail donc sur les Turing, c'est ce qu'on a appelé les Turing tests, en fait, c'est le jeu des limitations, et rétrospectivement aussi son travail sur la machine de Turing, ont été lus ontologiquement. Absolument. Qu'est-ce qu'elle a déjà ? Alors que lui, il a dit, j'écris un modèle. Ouais. Et en écrivant un modèle, ça, il est dit après dans l'article justement sur la morphogénèse, il dit c'est un modèle, donc une simplification, et dit donc une falsification dans le sens, non pas la paupère, mais dans le sens de dire oui. Je sais bien que par mon modèle, finalement, je n'ai pas tout ce qui est vrai, il se détache du plan ontologique. Absolument. Donc ça, c'est une remarque qui me paraît importante. Je me rappelle en 2012, je suis allé à Cambridge pour la conférence du centenaire là, avec Giuseppe Longo pour présenter un papier. Et le sous-titre de la conférence, c'était How the World Computes. Et Giuseppe et moi, on s'est dit, mais attendez, mais non, non, c'est pas ça. C'est justement le rôle culturel d'un certain côté du modèle a l'air complètement sous-estimé. Donc, il y avait une ontologie implicite là-dedans. Et c'est un peu ça que j'essaie
déconstruire. Je crois que, bon, bah non, même pour lui, quand il dit, bah oui, on essaie de faire en sorte que les ordinateurs soient des machines laplaciennes, enfin bon, finalement, le déterministe laplacien prédictif, on sait depuis Poincaré que ça ne marche pas exactement comme ça. Voilà, ça montre bien qu'il y a une marge entre cette espèce d'ontologie calculable et puis ce qui se produit, les phénomènes qui se produisent, soit dans la nature physique, soit dans la nature biologique. C'est un peu comme ça que je répondrai, que je vous répondrai. Et si je peux dire une chose un peu précise par rapport à Olivier, parce que dans les papiers sur la morphogenèse, en fait, effectivement, Turing écrit un système d'équations différentielles ou de modèles partiels, et il les traite dans les cas non linéaires, il les traite, on va dire, analytiquement, en étudiant la déstabilisation du système. Mais après, il dit, dans les cas plus généraux non linéaires, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il fait, il utilise un peu les calculs à la main, on va dire, et un peu les Manchester Computer pour trouver une série numérique. Le résultat qu'on peut, si tu veux, considérer une des premières expériences des calculs numériques. Mais est-ce qu'on peut dire que ça, cette série des valeurs, est une solution des équations originales? Non. Non, c'est une instance particulière parce que quand tu fais un calcul, tu es obligé de donner, tu vois, dans ce sens, je pense. Oui, absolument. Moi, dans ce sens, je vois quand j'en dis, on prend en compte ce qui n'est pas calculable, dans le sens que les équations elles-mêmes, il n'a pas de solution pour les équations elles-mêmes. Il travaille sur une instance particulière calculée numériquement. Et un petit déplacement. Oui. Eric. Merci, moi aussi, évidemment. Conquis par ces analyses, et je suis effectivement sidéré que personne ne les a entendues. Et si on reste un petit peu dans le régime réflexif de Turing, je voudrais savoir, c'est une question un peu simple, c'est un, quelle était la réception de cet article? Deux, est-ce que Turing avait, il a écrit effectivement en engageant un affect, c'est-à-dire avec humour, en disant de toute façon, plein d'humour. Vous comprenez bien. Où est-ce qu'il y avait du désespoir, etc., etc. Tu peux un peu contextualiser cette histoire parce que maintenant il dit, ben, voilà, je vous fais mon article de 36 pour essayer de vous y comprendre quelque chose et vous tomber dans le panneau. Voilà, absolument. Enfin, c'est comme ça que moi je me lis, mon cœur. Alors, il y a une renommée extraordinaire de cet article. À partir du moment où on l'a transformé en test de Turing, on l'a lu, tu l'as partout. Voilà. Donc, ça je trouve que du point de vue sociologique, c'est intéressant. Parce qu'en fait, la façon dont on le présente sur Wikipédia et dans plein d'autres cas, c'est qu'on est déjà à côté de la plaque. Voilà. Donc, ça a eu un immense retentissement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans le texte, ensuite, quand tu regardes un petit peu dans les détails, c'est là où la biographie de Rangius m'a beaucoup aidé, c'est qu'effectivement, il y a plein de détails personnels tout le temps. Et c'est plein d'humour. Donc, moi, je crois vraiment que c'est une espèce de pirouette et qui n'a absolument pas du tout été comprise, qu'il ne fallait pas du tout la prendre comme l'article fondateur d'une nouvelle discipline. Ce n'est pas du tout ça. Oui. Merci beaucoup pour l'exposé. Trois remarques. Première remarque, il y a par-dessus la question du imitation gag, comme tu as très bien rappelé, il y a cette question de sexe homme-femme, un mythe universitaire qui à un moment s'est répandu pour tout un certain auteur, pas chez les auteurs, selon lequel c'était inspiré par un jeu de l'époque, où il s'agissait de déterminer si derrière un rideau, l'interlocuteur inconnu était un homme ou une femme, tout ça. Et ça a été suffisamment loin pour qu'il y ait des articles de revue épouchant tout pour conclure que c'était effectivement un mythe et que c'était Turing qui avait le premier, cette idée de distinction. Moi, ce que j'ai dit sur cette distinction, c'est qu'il faut prendre une distinction physique maximale. Absolument. Voilà. C'est très convaincant. C'est ça la chose. Et deuxième petite remarque sur
la question de l'impact de l'article Morphogenèse, Turing lui-même avait une copie, oui. Les collègues, quand on écoute notre collègue Benoît Pertal, qui était le premier conférencier à l'ICM invité sur ce type d'équation d'action de l'économie, il considère que c'est un article fondateur et le plus extraordinaire, certainement dans tout le domaine, par le fait qu'il arrive comme un ovni avec. À la Turing, quoi, comme un ovni à la Turing. C'est pareil avec l'article de 36. Réussir à résoudre le problème de l'indiscernibilité avec l'idée d'une machine, ça s'était jamais vu. Hein. Et ma dernière remarque, sur la question quelle motivation pour la biologie, je pense très important, c'est l'influence du fameux bouquin qui était son bouquin fétiche quand il était gamin. Oui. Natural Wonders et Machine oui. de Schnau. Quand on lit le bouquin d'un nommé Brewster, on voit qu'au moins un tiers du bouquin est consacré à des questions de développement. Il commence par ça, il analyse le développement du petit poussin dans l'œuf et ainsi de suite. Et il le présente, la diversité morphogénétique et tout ça, et son inscription dans l'évolution des espèces, oui. comme les problèmes fascinants de oui. Et c'est en même temps très fantasmatique chez lui. Hein. C'est-à-dire que sa mère, dans la biographie qu'elle a écrite de Turing, dit que. Planter aussi ces petites voitures dans des bacs à fleurs en disant mais comment ça se fait que ça ne pousse pas. Voilà, donc la chose étant que chez lui, il y a toujours cette idée de construction, qu'on doit réussir à construire, et évidemment, ça rentre directement en conflit avec l'idée de croissance, parce que la construction et la croissance, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et je pense qu'il a tourné autour de ce problème-là toute sa vie. On a le temps d'une dernière question. Oui, ça serait aussi pour faire le lien avec d'autres de tes travaux, mais aussi avec, par exemple, la conférence de tout à l'heure, c'est qu'il parle un peu plus de l'écriture du symbolique, c'est-à-dire à quel point Turing a conscience du fait que c'est peut-être parce qu'on dispose de l'écriture qu'on est capable de fabriquer une machine de Turing, qui renvoie avec des choses que moi j'avais envie d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'une construction linéaire numérique. On va se dire aussi que le principe des gens qui aiment bien les mathématiques, c'est d'essayer tout de suite de trouver de fabriquer des constructions spatialisées, par exemple. Ouais. D'accord. Alors, je ne pouvais pas tout dire, et puis comme je t'avais promis, j'allais parler essentiellement du jeu d'imitation, je parlais du jeu d'imitation. Il y a une autre demi-phrase entre parenthèses dans l'article de 50, qui m'a complètement fasciné. Donc, entre parenthèses, à un moment donné, comme si ça lui était venu à l'idée, comme ça, Turing dit, pour moi, calcul et écriture sont presque synonymes. Fermez la parenthèse. Et voilà. Alors, moi, je tombe là-dessus, je me dis, attends, calcul et écriture sont presque synonymes, pourquoi presque, pourquoi synonymes, etc. Bon, effectivement, tu peux parfaitement lire l'itinéraire de Turing d'un point de vue purement épistémologique, sans faire intervenir sa psychologie, en disant qu'il part de contraintes sur l'écriture, de contraintes formalistes extrêmement fortes qui sont celles du programme de Perth, et qu'ensuite, toute sa vie, il va tourner autour de ça, on va se dire, qu'est-ce qui se passe si je relâche un peu les contraintes? Alors, je relâche un peu plus les contraintes dans le cadre d'une conversation, comme dans le jeu d'imitation, puis je relâche complètement les contraintes, il n'y a plus d'écriture, et je vois les formes biologiques. Voilà. Comment j'arrive quand même à les décrire? Voilà. Donc là, il y a très certainement une façon de présenter les choses qui me paraît tout à fait importante, évidemment. Alors, sur le fond de la chose, pourquoi calcul et écriture sont presque synonymes? Si c'était synonyme, ben, d'un certain côté, on n'aurait pas les grands théorèmes négatifs de Gödel ou de Turing. C'est-à-dire que l'écriture arriverait véritablement à trouver sa propre cohérence dans les systèmes formels. Et c'est juste presque synonyme. Et c'est ce petit défaut-là qui fait que il commence à y avoir quelque chose d'intéressant dans le scientifique, c'est-à-dire que le formalisme doit finalement être réinscrit dans une théorie de l'écriture qui est évidemment qui est liée à une certaine culture, à mon avis une culture alphabétique essentiellement. Donc ça, je pourrais en parler longuement si tu veux, l'alphabet étant à mon avis une machine à lire, c'est-à-dire que c'est déjà un automatisme dans la lecture, pas dans l'écriture. L'automatisme dans l'écriture, c'est l'informatique. Mais l'automatisme dans la lecture, c'est une vieille, vieille idée, déjà en Occident. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Je vais tenter une micro-conclusion avant qu'on aille déjeuner sous forme de remerciements. Parce que je crois que quand le comité de direction de l'ICSI a imaginé pour cette matinée de mettre avec le même mot apprentissage trois orateurs, enfin trois thèmes et trois orateurs, et même très brillants, et trois thèmes aussi différents, c'était pas évident. Donc, petit 1, je remercie le comité de direction pour son implication dans la construction de la vie scientifique de l'ICSI, parce que je pense que c'était un pari audacieux. Et je pense que ce pari est réussi parce que j'étais très, très impressionné par les trois exposés. Donc, je voudrais qu'on remercie tous, attendez avant d'applaudir, les trois orateurs, parce que c'était vraiment assez impressionnant d'arriver à écouter trois choses autour du même mot-clé d'apprentissage, aussi différentes et aussi intéressantes. Je voudrais aussi vous remercier pour vos questions, l'ensemble de l'auditoire, parce que je pense que les questions ont permis aussi de montrer comment chacun, avec son savoir et son background, écoutait ce qui était en train d'être dit. Donc, voilà, je pense que cette matinée très réussie, qui annonce une après-midi réussie aussi, évidemment, cette matinée réussie, elle montre que l'ICSI, l'intelligence, n'est pas artificielle. Et c'est avec cette boutade que je voudrais qu'on remercie très, très fort les trois orateurs de la matinée.